Au soda, la neuf, là. Faut qu'on se lève. Oui, oui. Faut qu'on se lève. Excusez-moi pour la vidéo. Maman Boya, Maman Boya. L'animation terminée. Oui. Le président de la République est parti. Cérémonie. Bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé. On comprend que c'est une situation très difficile. Mais est-ce qu'il représentait quoi, monseigneur? Comme vous le savez, je suis un évêque, un homme consacré à Dieu et au peuple de Dieu qui a travaillé jusqu'à la fin de la période prévue par le droit canon. Et après ça, il a continué à œuvrer dans un cadre autre que l'Église parce qu'il était émérite. Il est resté proche de l'Église et c'est une perte pour nous. Mais notre consolation, c'est que le Seigneur l'a rappelé en ce temps pascal, qui est le moment, un des moments forts qui nous rappelle que la vie n'a pas de fin pour qui croit au Seigneur. Merci beaucoup, monsieur. Il appelle mon Seigneur, en plus. C'était l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général des évêques de la SENCO. Voilà. Assez à l'équipe déjà. Des véhicules là derrière. Oui, mon véhicule est là derrière. Ah ok. On s'appelle. D'accord. Excusez-moi pour là. Je suis là. D'accord. C'est là. Zéla, mais tu Ça, c'est le véhicule de maman Marc qui sort. Maman Marc qui sort. Ouais. Thank you.
Hein? Des cérémonies civiles. Ah, falloir s'en va dans la Ça, c'est le cardinal. Allô? Hey, j'ai pas fini là-bas. Tout le monde à côté là. À part la presse française, les photographes, vous à côté. C'était vraiment en toute intimité quoi. C'est juste derrière le centre Nata. Oui, cimetière à Bassango. Bassango n'y a sauté. Bassango, il y a l'archidiocèse de Kinshasa. Ouais. Alors lui, comme il est de Mweka, et puis comme il est mort ici, comme c'est un évêque émérite, mais exceptionnellement, Bakundi et Awa. Au moins, tu as compris, non? Sinon, tu n'as pas pu donner la nécropole si c'était un autre prêtre. Ouais. Mais comme il a été. Ah, papa, il y a un angle comme nous. Bah ouais. Christian, c'est toi. Christian, tu es à l'intérieur. Tu es arrivé à quelle heure? C'est vous qui avez chanté? Non, non. C'est ça le séminariste. Comment tu es entré? J'avais le guitus, j'étais le délégué du parti. Non, mais qui écoute vos photos, on m'a demandé de supprimer la zone. Il n'y a pas, on n'a pas filmé. Il faut prendre une responsabilité. Donc personne n'a fait. D'ailleurs, il y avait une même de la famille qui a voulu prendre la radio. Une fille de la famille. Elle a réveillé la télévision. Si Baro aussi Sakavo, c'est ici. On est bien monté. D'accord.
Moi j'ai très faim, je vais manger ici, cher. Tu sais, derrière, tu passes par là. Nous, ça la marche derrière. Cérémonie terminée. Non, il est là, pardon. On va barriquer. Nada. Voilà. Voilà. L'animation terminée. Ce qu'il faut retenir, que non, l'animation, ça va bien. L'animation a eu lieu. Ben, terminée. Le président est parti. C'est une cérémonie qui n'a pas beaucoup duré parce que, vous savez, les circonstances sanitaires qui entourent l'événement. Ouais. Et donc, ça n'a pas été possible. Donc, à l'intérieur, c'était vraiment en toute intimité parce que nous n'avons pas eu droit. En toute intimité, ça veut dire pas, on ne filme pas. Il y a des images qui ont été prises, mais par la presse présidentielle uniquement. Bonjour. On est dans le même groupe républicain. Moi, c'est Guy Kouété. Et comment on fait pour entrer là-bas? Vas-y, rentre. Hein. Non. Non, rien. Hein? Vous êtes entré comment? Là, c'est pour bien sortir une main, simplement. Bon, je vous accompagne alors. C'est là? En retard? Non, j'étais là depuis, mais je pouvais pas entrer. Je suis venue depuis longtemps. Moi, je suis venue depuis 11 heures. Mais comment tu n'es pas? Oh,
On a dit qu'il n'y avait pas accès. Je suis là depuis 11 heures. Oui, je suis là depuis 11 heures. Bonjour. 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 Donc, voilà. C'est là qu'il est. Fallait prendre patience. Vous comprenez que à un certain moment, les règles restent les règles. Il ne faut pas les bafouer dans une cérémonie comme celle-ci. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions. Il faut toujours respecter la règle et respecter les conditions. Voilà, ça veut dire qu'il ne fallait pas que tout le monde puisse entrer, mais il fallait prendre patience pour voir jusqu'à la fin ce qu'a été. Voilà, mon Seigneur. Où est-ce qu'il est enterré? C'est ici. C'est comme ça. Bonjour. Et c'est à l'intérieur. C'est là-bas qu'il repose désormais. Ah, c'est le reportage. Oui. Faites la photo. Oui. Vous le connaissez comment, Monseigneur Gérard Moulumba? Monseigneur, c'est notre papa. Pardon? Oui, Monseigneur. Monseigneur, c'est notre papa. Non, Mingi. Oui, il vient de nous quitter. C'est une porte de notre famille. Et ça lui passe ma casse. Ça lui passe ma casse. Ma casse la motène. Ça lui passe ma casse. Côté le papa n'a vu ça. Les gens n'ont rien à pouvoir. Nous ne pouvons pas lui et tout. Nous avons dit qu'on sa famille dans la maison civile. Mais à tout qui nous sommes, nous sommes en train de nous sommes en train de nous sommes en train de nous papa en train de nous donc, tout à l'heure, on était à côté de lui. Nous sommes tous là, nos collaborateurs, nous sommes vraiment en douleur par rapport à son départ à Kéimbangu Mbangu, à Tikibusona Posanaye, à Kambouizana Nebele à Posala. C'est pourquoi tu es quand tu es la dernière demeure à Wana Santrenganda. À Sankagwa. Oui. Vous voulez parler? Oui, je veux parler. En lingala, tiluba français, soyez. Vous voulez parler en quelle langue, papa? Madame Léna. Madame Rachel. Madame lingala, même en tiluba. Oui. C'est bon, tiluba. Ah, allons-y. Oui. Moi, je ne parle pas tiluba, mais je vous pose la question en français. Vous répondez en tiluba. Vous écoutez le tiluba? Non, non, non. On parle maintenant en lingala. Non, tiluba, c'est mieux. J'aimerais aussi que quelqu'un parle. Oui. Et puis là-bas, on parlera soyez. Ah, d'accord. Alors, monsieur. Gérard, Monseigneur Gérard Moulumba, ouais. Vous l'avez connu comment? Quel genre d'homme était-il et quel est le souvenir que vous gardez de lui? En tout cas, Monseigneur Moulumba. Ah oui, Ndi Moutiluba. Monseigneur Moulumba, moi, je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui Monseigneur Moulumba, moi, je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Je vous présente comment tu parles. Bah, c'est pourquoi je moi beau. Mais je l'ai dit à moi de Waboune, mon catch-moi, dit touché, dit mot touché, quand moi ne pouvais bien tout comme si je l'ai. C'est pourquoi je dis moi de Waboune, moi comme je me suis dit. Merci. Madame? Oui. Bon numéro.
Non. Ça, c'est quelle chaîne? C'est du magasin Occupra. Alors, vous vous répondez en swahili. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de lui comme souvenir, comme bon souvenir? Il est pour moi un père. Il est pour moi un père. Sa maman est grande sœur de mon propre papa. Alors, c'est quelqu'un qui aime d'abord la famille, un homme logique, un homme loyal, un homme droit, qui n'aime pas les tournures ni les mensonges. Alors, nous sommes tellement touchés dans le sens que on a porté ça muntu kubwa kabisa et puis où les vraiment on a saidia ka famille. Ah leo tunakuwa kumwacha hapa face yeye mwenyewe. Alors tunabakia pa kana regret kabisa tunarudia hein tunapoté muntu kubwa kabisa na famille. Yindi alikuwa chargé à maison civile à chef d'état kwa tena conseiller spirituel wa rais wetu. Hapa tunarudia chez beauté tukunaria sana njoo tunapotea mtu kubwa sana kabisa. Asante. Vous voulez dire un mot? Oui, moi je vois mal la profondeur de l'âme. C'est mon papa, j'ai perdu mon papa en tant que mon chef. Il est notre chef à la maison civile, le chef de l'État. On a, nous avons le regret, c'était pour nous vraiment un papa qui restait pour nous. Moi, c'est ce que je peux dire. Merci Voilà. Voilà. C'est donc ici que se repose désormais Monseigneur Gérard Lumba Kalewa, mort à 83 ans de suite du Covid-19. Il a dirigé pendant plus de 28 ans le diocèse de Mueka. Il est le frère de feu Étienne Tshisekedi Wamu Lumba, l'oncle paternel du chef de l'État et chef de la maison civile. Voilà. Bon. Exactement. C'est ici. C'est Sankawa et c'est le cimetière privé. C'est là où. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Ainsi se termine aussi ce reportage. Merci à vous de nous avoir suivis. Partageons la peine et la douleur des familles qui ont perdu le leur, de l'Église catholique, mais également de la nation tout entière, car c'est un fils du pays qui vient de nous quitter. Et donc, on a voulu être le témoin de ce dernier voyage. Et voilà, c'est fait. Merci à vous. Merci de partager la vidéo si vous le pouvez. On ne peut que compatir
avec les familles et pleurer. On se sent d'autant plus touché parce que ça arrive à tout le monde et ça nous arrivera tous un jour. Et voilà. Merci. À plus tard. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Ce que nous devons faire, c'est de nous aimer vivants, de nous pardonner, de nous comprendre, de nous soutenir, car nous ne savons ni l'heure ni la date. Et surtout avec ce Covid-19 qui terrasse le monde entier, il faut faire très attention, il faut prendre soin de nous, soin de nos proches et de tous ceux que nous aimons. Voilà. Moi, je m'arrête par là, il pleut. Voilà qu'il va pleuvoir et il pleuvine. Il pleuvine déjà. Ouais, il pleuvine. Il pleuvine, ouais. Signe de bénédiction, hein, la pluie. Exactement. Au revoir. Au revoir.